What? Une petite pièce, s'il vous plaît, monsieur. Vas-y, pose dans le pot. Wesh! S'il vous plaît. Mais t'es sérieux, là? Je vous bénirai jusqu'à la fin du monde. S'il vous plaît, petite pièce. I got that kind of... Et wesh le pote, c'est Souka! Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Alors avant que la vidéo commence, les petits potes, lâche le plus gros like de ta vie comme d'habitude poteau. Abonne-toi à la chaîne YouTube et active la cloche pour rejoindre la Troll Family. Et c'est parti les amis. Alors avant que la vidéo commence, les petits potes, je vous demanderai à tous de rester jusqu'à la fin de la vidéo, parce que je pense vraiment que cette vidéo sera vraiment géniale. Et du coup, si tu me découvres grâce à cette vidéo, voilà, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube. C'est super simple, t'as juste à appuyer sur le gros bouton rouge qui se trouve juste en bas de la vidéo. Et c'est parti les amis. Alors là, comme vous avez pu le voir dans le précédent dans la dernière vidéo les potos, j'avais ici, c'était en construction. Et du coup voilà, depuis ce temps là regardez, on a commencé à aménager un petit peu le truc. Du coup voilà les potes, j'ai lu un petit peu vos commentaires et du coup voilà, j'ai vu que l'idée d'un grand salon etc vous avez fait plaisir. Du coup voilà, on a mis un grand écran plasma. Alors ne vous inquiétez pas les potes, cette salle n'est pas fini, voilà, il manque un petit peu de décoration là, comme vous pouvez le voir, c'est encore trop vide, etc. Là, on est en train de construire une grande table. Attendez, juste finir de, hop là, voilà. Là, on est en train de faire une grande table familiale pour qu'on puisse manger tous ensemble. Et là, comme vous pouvez le voir, bim, avec le gros écran plasma devant nous. Du coup, voilà, les amis, notez-moi ce grand salon dans l'espace commentaire. Moi, pour ma part, je kiffe. Du coup, voilà, regardez, comme ça, on a une plus grande pièce dans la maison et c'est plus espacé. Du coup, moi, personnellement, je kiffe de ouf. Du coup, ce qu'on va faire, les amis, c'est que je vais aller chercher mon fils Billy à l'école et je vais lui montrer ce grand salon. Du coup voilà les amis, si vous voulez voir mon fils pour un prochain épisode, dites le moi dans les commentaires et lâchez un gros pouce bleu, je compte sur vous. Et c'est parti les amis, du coup voilà, je vais juste virer la table que j'ai sur moi et je vais aller voir mon fils. Du coup voilà, mon fils est à l'école, du coup je vais aller le chercher à l'école. Oula. What? Oula là là là, qu'est-ce qu'il fait encore? Non Billy, tu fais trop de bêtises. Oula, attendez les potes, qu'est-ce qu'il a fait? Mais Billy, qu'est-ce que tu fais? Oups, papa, il m'a pas vu. What, les potes, regardez, il y a Billy qui fait encore énormément de bêtises. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait à mettre du feu partout. Du coup, ce que je vais faire, c'est très simple, c'est que je vais enlever tout le feu. Mais franchement, mais Billy, c'est vraiment un ouf, hein, les potes. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Il fait vraiment énormément de bêtises. Mais Billy, qu'est-ce qui t'a pris de faire tout ça? Mais j'avais. Il fait froid dehors. Pourquoi on met pas de la chaleur dehors? Ben, en même temps, pas de chauffage là dans la rue. En même temps, Billy. Billy, il neige, tu sais qu'il fait froid et tu sors en t-shirt et t'as même pas mis de pantalon, Billy. Mais tu m'étonnes que t'as froid. Mais papa, pourquoi ils mettent pas des radiateurs? Des radiateurs où ça? Bah dans la rue, papa. Mais ça sert à quoi vu que la chaleur elle peut pas? Oh là là, les potes, franchement, les potes, mon fils est vraiment idiot, je ne sais pas ce qui lui arrive. Il veut mettre des radiateurs dehors, mais la chaleur ne peut pas être. Oui, Billy, qu'est-ce qui se passe? Oui. Regarde. What, qu'est-ce que tu... Wesh, les potes, il a vraiment mis un chauffage à l'extérieur. Mais t'es vraiment fou, Billy. Mais ça va réchauffer aucune pièce. Ça sert à rien, la chaleur va partir dans l'air. Mais on a qu'à réchauffer l'air. Oh là là, les potes, franchement, mon fils Billy est vraiment idiot. Voilà, dites-moi dans les commentaires si c'est une bonne idée ce qu'il fait. Voilà, si c'est une bonne idée, bon, on en mettra dans toute la ville, hein, qu'est-ce que tu veux. Mais qu'est-ce que tu fais, Billy? Mais pas comme ça, on réchauffe là. Mais non, enlève-moi ça tout de suite. Les potes, il en met partout, mais il est vraiment fou. Mais vas-y, enlève-moi ça. Enlève-moi ça. Oh là là, les potes, c'est incroyable. Il fait vraiment beaucoup de bêtises. Il en place vraiment partout. Ben, vous savez quoi, les potes? Je vais lui laisser faire parce que. Oh non, en fait, non, là, par contre, là, il en met vraiment beaucoup trop. Papa, j'ai chaud là. Mais tu me dis que t'as chaud. Enlève-moi tout ça là. Papa, j'ai chaud. Wesh, les potes, mais mon fils, mais c'était. Mais Billy, mais pourquoi t'es fou comme ça? T'as le père, t'es le fils. Allez, c'est ça, on dirait que moi je suis fou. Allez, bref. Bah, vas-y, c'est bon, ta journée d'école s'est bien passée? Ah, oui, j'ai. Attends, je t'explique. Ouais. Alors, j'ai travaillé, ouais. Je t'ai rapporté un 10 sur 10 avec le 0 en moins. Ok. Après, j'ai tué Baldi. Quoi? J'ai tué le directeur. Quoi? Après, j'ai frappé Yvan, j'ai bloqué dans mon casier, j'ai foutu le feu à mon casier et puis j'ai fini l'école. Oh là là, mais waouh. Ok, du coup, les potes, enfin, mon fils, je pense qu'il va pas tarder à aller en prison s'il continue comme ça. Mais Billy, mais pourquoi tu fais autant de bêtises comme ça, Billy?
je fais une copine, papa. Ah non, j'en ai déjà une, c'est vrai. Oh, t'as une copine, Billy? Ah oui. Ah, ok, du coup, les amis, bah vous savez quoi? Si vous voulez que j'espionne mon fils la nuit pendant qu'il va chez sa copine, voilà, dites-le moi dans les commentaires, les potes. Je me ferai un plaisir de tourner cette vidéo. Et voilà, lâchez un gros pouce bleu aussi, je compte sur vous. Bah vas-y, viens, Billy, on rentre à la maison, je dois te montrer un truc. Ah, attends, attends, papa. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, qu'est-ce que tu fais? C'est t'as pas suffi. Oh là 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 là. Enlève-moi ça, mais arrête-moi ça. Tu veux brûler toute la ville ou quoi? Ah oui. Oh non, 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 non. Oh non. Mais c'est pas le but, c'est pas le but, c'est pas le but, ok. Oh, une poubelle, on va lui mettre le feu. Oh, mais Billy, allez, arrête-moi ça. Arrête tes bêtises un petit peu, sinon tu seras privé de console et de tout. Et de tout, hein. Ok? Non, non, non. Ok, voilà. Du coup, calme-toi. Du coup, les amis, voilà. Ok, il faut parler comme ça à mon fils pour qu'il arrête de faire ses bêtises. Et attends, passe-moi ce briquet. Passe-moi ce briquet. Passe-moi ce briquet. Je sais pas, tu l'as trouvé où, mais passe-le-moi. Tiens, papa. Merci, Billy. Et pourquoi t'en as un deuxième dans ta main encore là? Tu te fous de moi? Non, t'as rien vu. Bon, allez, bref, viens. J'ai une surprise pour toi, Billy. Regarde. Regarde. Attends, j'arrive pas à entrer. What? Oh papa, qu'est-ce que t'as fait, papa? Voilà, ben regarde, comme tu veux le voir, voilà, pendant que t'étais à l'école, on a fait les travaux. Et du coup, voilà, le salon a triplé de volume. Du coup, t'en penses quoi? Oh oui, ouais. Non, qu'est-ce que tu fais? Oh Billy, Billy, vas-y, tu sais quoi? Je vais brûler tout ce que tout est joué. Allez, je vais brûler tout est joué de ta chambre. Non, alors vas-y, passe-moi ton briquet, passe-moi ton briquet. Ok, d'accord. Voilà, allez hop, voilà, maintenant t'arrêtes tes bêtises, t'as compris? Ok, hop, okay. Voilà, ok, super. Bah vas-y, Billy. Ah oui, j'ai un problème à l'école. Ils m'ont dit que j'allais devenir SDF si je continuais rien. Et j'ai pas envie de continuer, du coup, je suis un SDF, papa. Ah, t'as un SDF? Mais non, mais arrête de dire ça, Billy. Qu'est-ce que tu me racontes? Regarde la grande maison que t'as. Mais c'est pas à moi, ça, c'est à toi, ça. Non, mais oui, mais ce qui est à moi et à toi, Billy, regarde tous les jouets que t'as ici, Billy. Mais tu n'es pas du tout SDF, qu'est-ce que tu me racontes? Papa, mais je veux une PS4, moi, PS5. Ouais, tu veux une PS5? Bah vas-y, tu sais quoi? Si tu veux te faire de l'argent, Billy, moi je te dis quoi, regarde. T'as vraiment beaucoup de jouets, bah moi je te conseille d'en vendre quelques-uns, histoire de te faire un petit peu d'argent, ok? Ah oui, je vais vendre ça. Ouais. Je vais vendre ma boîte à mouchoirs, voilà. Ok. Ouais. Ok, bah vas-y, tu sais quoi? Je te laisse faire tes trucs et tu m'appelleras quand tout sera en place, d'accord? Oh, je peux... Oh, papa! Oh, ouais. Oh, j'ai une idée, ça va me rapporter beaucoup d'argent, regarde. De quoi, papa, de quoi? Papa, qu'est-ce que tu veux faire, Billy? Oula, qu'est-ce que papa. Je vais faire là? Non, pas ma tour, Billy. Eh, hey, Billy, je te jure que si tu vends, vas-y, ramène ma tour, donne ma tour. Okay. Mais c'est un ouf, mais il est fou, mais tu veux que je fasse comment mes vidéos si t'enlèves ma tour? Mais en plus, elle coûte vraiment cher. Mais pourquoi tu la vends pas vu que ça coûte cher? Non, bah, j'en ai besoin, Billy, j'en ai besoin. Nous allons rejoindre mon fils pour voir s'il a installé son stand. Du coup, les potes, attendez, il est où? Je pense que son stand, attendez, parce qu'il avait, oh, il est là-bas, ok. Qu'est-ce qu'il fait là, le petit là, qu'est-ce qu'il fait? Du coup, les potes, nous allons voir qu'est-ce qu'il va vendre et comment il va faire son argent. Du coup, les potes, nous allons... Ok, il est juste là, regardez, il m'observe un tout petit peu du coin de l'œil. Ok, d'accord, il m'a vu. Ok, je vais voir qu'est-ce qu'il fait. Oh, papa. Oh, regarde. Ah, c'est ça. Tu m'achètes le nounours là. Attends, regarde, le nounours. 400 euros, mais t'es un ouf. Mais je te l'ai acheté même pas. Je te l'ai même pas acheté 20 euros celui-là. Attends, ton biberon. 250 euros, mais je te l'ai acheté 7 euros à Carrefour. Et ton paquet de mouchoirs. T'es sérieux de vendre un paquet de mouchoirs, Billy? 15 000 euros, mais t'es sérieux? Mais attends, papa. Le paquet de mouchoirs, je t'explique tout. Wow. Des fois, le soir, tu fais des trucs avec maman. Non. Ok, d'accord. Ça va plus cher. Ok, d'accord, les amis, je sais pas ce que. Quelle connerie dit mon fils, mais dit vraiment n'importe quoi, les potes. Et comme vous pouvez le voir, il vend des trucs what the fuck à des prix what the fuck. C'est le cas de le dire. Du coup, Billy, je peux te jurer que comme ça tu ne pourras rien vendre, hein. Je te rassure. Hein. S'il y a un pigeon comme toi qui veut m'acheter. Wow, allez, casse-toi. Du coup, les potes, franchement, il traite son propre papa de pigeon. Du coup, les potes, vous savez quoi, on va enlever tout ça parce que les potes, Billy, je peux te dire que tout le quartier va se foutre de toi si tu vends tout ça à un prix tel quel. J'ai envie de faire EDF, j'ai envie de construire des chauffages, moi. Ouais, allez, casse-toi, qu'est-ce que tu me racontes, allez, okay. Ok, du coup, les amis, franchement, bah, Billy, franchement, ça, c'était une mauvaise idée de vendre ton paquet de mouchoirs. T'aurais pu vendre des trucs beaucoup mieux, hein. Oh, mais papa, regarde, suis-moi, je vais te montrer mon nouveau métier, papa. Ah, t'as un nouveau métier, Billy? Ah oui, regarde.
Suis-moi, c'est là-bas. Ok, du coup, les amis, regardez, on va utiliser nos ailes qu'on a, moi et mon fils, parce que comme vous pouvez le voir, mon fils aussi a des ailes. Du coup, voilà, on peut se déplacer super vite. Du coup, ok. Billy, qu'est-ce que tu m'emmènes où, là? Papa, c'est mon nouveau métier. C'est ton nouveau métier? C'est quoi ton nouveau métier, Billy? Voilà. What? Une petite pièce, s'il vous plaît, monsieur. Vas-y, pose dans le pot. Wesh. S'il vous plaît. Je vous bénirai jusqu'à la fin du monde. S'il vous plaît, what, mais c'est vraiment pas bien ce qu'il fait. What, attendez. Au secours, je n'ai pas d'argent. Mais Billy, mais t'es sérieux, tu fais le clochard, là? Bonjour monsieur, je pourrais avoir une petite pièce, s'il vous plaît. What? Ok, du coup les amis, regardez, il y a mon fils qui est en train de faire son clochard. Mais t'es sérieux, Billy? Mais vas-y, arrête-moi ça là. Mais tu sais qu'un SDF, c'est quelqu'un qui habite dehors. Papa, regarde, j'ai de la base. What? Vas-y, je dois avoir une pièce, s'il vous plaît. What? Les potes, regardez, mon fils a une barbe. Oh là là, les potes, c'est un sketch, j'en peux plus. Mais Billy, mais les SDF, ils habitent dehors, toi t'habites encore à la maison, à ce que je sache. Ah non, je vais habiter tout le papa. Vas-y, petite pièce. Ah oui? Mais t'habites où maintenant? Regarde, j'habite ici. Oula, quel centre commercial, d'accord. Oula, tu m'emmènes où là? À mon maison, papa. Ok, du coup, les potes, je sais pas où m'emmène mon fils. Oula, what? C'est la première fois que je vois ça. Ah oui, papa, t'as vu? What? Wesh. Mais t'es sérieux? What? Mais les potes, mais mon fils ne rigole absolument pas. Mais c'est vraiment devenu un SDF. Regardez, il a mis une tente, des poubelles, un feu de camp. Oh là là, mais... Oh là là, les potes, mais c'est vraiment incroyable. Du coup, voilà, les amis, regardez, comme vous pouvez le voir, mon fils est devenu SDF. En plus, il s'est endormi. Du coup, voilà, les potes, regardez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de mon fils et de ce qu'il devient, tout simplement. Du coup, voilà, les potes, donnez-moi une solution pour que mon fils arrête d'être SDF. Du coup, voilà, je ferai une vidéo pour que mon fils ne devienne plus SDF, tout simplement. Du coup, voilà, les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher le plus gros like de ta vie. Et Billy, après la vidéo, faut qu'on parle, moi et toi, d'accord? Parce que là, ça va plus, là, ça va plus, là, c'est pas possible. Du coup, voilà, les potes. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Souka et Billy. Ciao, les potes! Ciao, les potes.